Salut, c'est René Manjou, je suis de Lourdes dans les Pyrénées, j'ai 26 ans et je suis privateur sur les Enduro World Series. On fait des courses dans des endroits quand même magnifiques. Le week-end dernier, c'était dans les Dolomites, là on est ici dans le Val d'Aoste. C'est vraiment des courses super quoi. On est passé voir Shimano pour revérifier un peu le vélo après Canadien. C'est quand même une grosse semaine de course. Du coup, là, le vélo va être au point et ça va être impeccable. Je regarde un peu les chemins parcourus ce matin. Tant que c'est prêt, on va essayer de les apprendre un peu les pistes. Tout le monde s'entend bien, il y a plein de nationalités, on échange tous ensemble, c'est vraiment un bon moment de partage et d'échange. Ouais. Et puis, on est quand même dans des endroits magnifiques, ça fait assez rêver ces lieux de destination. C'est souvent des destinations de vacances pour les gens qui ne font pas de compétition. Et nous, on a la chance de faire des compétitions ici, du coup, c'est très cool. Oh. Non, la pluie, c'est assez dur quand t'es privateur comme moi, là. Tu vois, toutes les affaires restent humides. Tu vois, là, il pleut sur le lit. Tu dépenses pas mal d'énergie à te réchauffer et tout. Moi, j'aime bien quand il fait soleil. Bon, il va pleuvoir cet après-midi, hein. Et demain, jeudi, on va faire avec, mais ça va pas être évident, ouais. J'ai acheté le camion vide et je l'ai aménagé. Du coup, là, j'ai fait un plan de travail. Là, du coup, j'ai tout ce qui est électricité, j'ai des rangements, la table pour manger. Là, j'ai des rangements pour la cuisine. Ça, c'est hyper important, je pense, d'avoir une douche, tu vois, avec l'eau chaude. Et là, le lit, et j'ai accès au garage derrière. J'ai mes deux vélos. Là, j'ai deux réserves d'eau, une pour la douche, une pour l'eau potable. Là, le lit au-dessus. Un groupe électrogène pour recharger l'e-bike. Comme ça, je suis autonome. J'ai un panneau solaire sur le toit. Impec. Franchement, c'est un bon compromis, quoi. Quand t'es privateur comme ça, je pense que c'est un des meilleurs choix que tu peux faire, ouais. Parce que louer un appart tout seul ou avec des potes, c'est jamais les mêmes potes. T'es tout le temps un peu en train de batailler, là au moins t'es chez toi, t'as tes bases, quand t'arrives sur les courses, t'es comme chez toi, je pense que c'est bien, t'as ça de moins à gérer quoi. C'est cool, c'est bon. C'était cool, il a fait beau toute la journée. Il s'est mis à bien pleuvoir dessous de la troisième spéciale. Et du coup, je me suis éclaté en bas. Ouais. Je suis tombé, là, j'ai rien su faire. J'ai pris un bon coup ici, là, dans le... Là, quoi. Là. Et j'étais à l'hôpital un peu faire des examens. Et du coup, ça va, j'ai rien de cassé, mais je suis beaucoup mal. Ouais. Je suis encore en convalescence, là, pour une bonne dizaine de jours, je pense. Mais j'ai hâte de bien faire pour la deuxième partie de saison qui démarre en septembre. Ouais, ça je l'avais trouvé. Trop content, tu vois. Cool. C'est un bois de cerf. Je l'avais jamais trouvé. Quand j'étais au Takam, j'avais fait ça. Pour 26 signes, je crois. On avait fait un truc en 2016. Ouais. Cool, hein? Avec les chevaux et tout. Comme dans le western, c'est pareil. C'est la tranquillité, tu vois. Ouais. Si entre la mi-saison, il n'y a personne, quoi. Genre l'automne et fin d'hiver, printemps, il n'y a vraiment personne. C'est hyper tranquille. Et ouais, avant, j'étais lagueur là, jusqu'en mai.
Ça faisait 7 ans que je faisais ça, puis j'avais 18 ans. Souvent, on abattait des arbres chez les gens et on les débarrassait du bois. Et du coup, tant qu'à faire, plutôt que jeter les bouts de bois, on en faisait des planches. Du coup, je vais les utiliser là pour habiller un peu l'intérieur, pour faire un appart. J'en ai eu un peu marre quoi, de faire un peu tout le temps la même chose. Je me suis dit, ouais, t'as 25 ans, faut que tu as envie de faire du vélo, essaye. C'est pour ça là, je me suis consacré à fond aux courses d'enduro, aux Coupes du Monde. Je suis heureux de voir ça quand même, et je suis content de le filmer. Ça va ? Ouais. De la ici que dans la voiture. Hein. Ouais, après les courses, c'est super cool de se retrouver un peu chez soi, et se reposer, reprendre plein d'énergie avant de rattaquer pour 3 semaines là, de tournée. Il y a la Suisse, l'Italie et l'Écosse, du coup ça va être assez éprouvant. Prendre un peu d'énergie ici, ça va faire du bien. La prochaine manche, c'est sur mes terres un peu, c'est dans les Pyrénées, pas loin de chez moi. Je suis un petit peu habitué à ce type de terrain. L'objectif, ça sera de faire au moins un top 20, je pense. Voire mieux, voire un top 15, top 10, on verra. Ouais, ça va pas être simple avec cette pluie là. Ouais, ça va être l'enfer un peu. Hein. Parce que déjà, pour arriver en haut du départ, il faut prendre le télésiège, du coup, tu vas te tremper. En haut, il risque de pas faire très chaud. Après, il y aura la liaison, là, il y a 800 mètres à faire d'un coup. Pareil, c'est tout dégagé, on va se cailler, et puis ça va glisser, quoi. Il va y avoir de la boue, ça va être plus physique, du coup, les traces, les remontées vont plus coller. Quand il privateur un peu, ben, dès qu'il pleut, c'est plus compliqué, tu vois. Ici, il y a tout qui est humide, enfin, tout qui est humide. J'ai mis un chauffage, ça sèche un peu les affaires et tout, mais c'est carrément plus galère, vous voyez. Ben, c'est plus dur, ouais. Toi, c'est quoi la définition de privateer ? Pour moi, c'est un peu genre ce qui se passe sur le parking, quoi. Ces gars qui ont pas trop de moyens, qui dorment souvent dans le camion entre copains, comme ça. C'est sûr, tu te sens à l'aise dans ton camion, c'est bien. Quand il fait beau comme ça, c'est cool, tout le monde est content. Mais dès que les conditions météo changent, c'est vraiment l'enfer, je trouve. T'as froid, t'es humide, tu perds beaucoup d'énergie. Tout seul, tu vas tout faire. Tu vas faire à bouffer, tu vas faire la mécanique. C'est compliqué, quoi. Tu peux pas penser... mettre toute ton énergie sur le vélo, quoi, à penser à ta course. Donc les autres se reposent, moi je suis en train de batailler pour aller chercher des pièces. Même pas dit que j'arrive à toutes les avoir, on verra. Ça se passe pas mal, ouais. Je crois que c'est 14 et 20 dans les deux premières. Là, j'ai pas trop mal roulé non plus. Ouais, ce serait bien d'être dans les 20 à la fin du week-end, ouais. Enfin, à la fin de la journée.
Ah, je vais me tremper les jambes dans l'eau comme les champions. Première journée de course ici à Loudenvielle. Et à la fin de la journée, du coup, je termine 21. Bon, pas loin du top 20, je suis quand même content, ouais, c'était hyper physique. Ah, un petit tour de vélo pour tourner les jambes comme les champions. Pour la récupération active. C'est ça la récup. On est pas heureux là. Bon, quatrième là de la Pro Stage Cool. Plaisir, ça montre que je peux rouler vite, tu vois, quand c'est technique. Là, on est à 10 minutes du départ. Je suis avec les top pilotes mondiaux. Cool, hein. Dans mes montagnes, je leur fais honneur au moins. Ah ouais, me retrouver avec les meilleurs là, c'est un peu une surprise. On a fini la troisième spéciale de la journée. J'ai mis un bon crash dans celle-là. Dommage. J'étais un peu fumé sur la fin là. J'étais troisième hein, au général là, avant cette spéciale. Bon, je fais un top 15 ce soir, ce sera super cool. Ah, c'est hyper serré ça. Top 5, il a 7 secondes. Bon, ouais. Ça y est, on a fait le week-end entier. Bien. Pour 21 première course, et là, hier, Pro Stage 4ème. Et aujourd'hui, bon, je tente, dommage. Le temps était hyper serré, je finis 11 au final de la journée. Mais ouais, super content, cette 11ème place en World Series. Ouais. Cette année, je me suis régalé à voyager avec le van, rencontrer du monde de toute l'Europe. Faire du vélo tous les jours, des road trips, Coupe du Monde. J'ai passé des moments formidables, d'autres un peu plus durs. Mais vraiment, j'ai vu un peu ce que c'était le monde de la course. Ça m'a donné des bases solides. Et maintenant, ben, forcément, j'aimerais rentrer dans un team avec des mécanos, des team managers, des gars qui sont là pour que tout se passe bien, pour que tu roules. Et ouais, j'aimerais vraiment que ce rêve devienne réalité.